Eh bien, salut tous amis, c'est Martin68. Aujourd'hui, bienvenue sur Lumber Tycoon 2 pour faire l'événement d'Halloween 2023. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti, je suis un petit chouïa en retard parce que là, il va se finir durant les prochains jours. J'en suis désolé, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, pour cette année 2023, qu'est-ce que nous avons à Halloween? Nous avons un Golden Bag of Candy qui se trouve à ma gauche et qui vous coûtera 1040$. Ensuite, nous avons aussi le Gloomy Pumpkin qui se trouve à ma droite et qui vous coûtera 808$. Donc, ce sac de bonbons en or que vous avez juste ici, il va se trouver dans le magasin de base et vous donnera tout simplement un petit sac comme ça que vous pouvez ouvrir et qui vous donnera à son tour plein de bonbons. Comme vous pouvez le voir, on a plein de petites barres de chocolat différentes, des petits bonbons comme ça, et que d'ailleurs on peut manger. Là d'ailleurs on a deux fois le même, on va peut-être manger celle-là, regardez-moi ça. Comme d'habitude, ça me fait toujours marrer. Avec le petit nam 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 là de Roblox, c'est incroyable. Donc plein de petits bonbons comme ça que vous pouvez avoir. Qui servent honnêtement pas à grand chose, mais c'est toujours drôle d'en avoir. À son tour, nous avons donc la citrouille qui va se trouver dans le shop où on trouve la TNT. Mais de toute façon, je vous montrerai leur emplacement juste après. Quand on l'ouvre, tout simplement, nous aurons une petite citrouille. Oh, qui d'ailleurs est claire. Ça, c'est vraiment chouette. Donc juste voilà, une citrouille, c'est tout. Je trouve honnêtement que c'est une très très belle citrouille, surtout que vu qu'elle est claire, ça c'est vraiment cool si on fait de la déco. On se retrouve donc devant le magasin de base pour pouvoir acheter ces fameux sacs de bonbons qui se trouvent juste en face de l'entrée, tout au fond du magasin, juste ici, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez le prendre et l'emmener au comptoir pour 1040$. Ensuite, on va se diriger vers le pont là-bas que vous pourrez acheter avec 100$. Vous pourrez le remonter juste ici à la cabine. Vous dites que c'est parfait et hop, c'est bon. Vous pouvez faire descendre le pont. De l'autre côté du pont, on aura un petit magasin qui vendra des TNT, mais pas que. En sortant du pont, vous allez tout droit et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on aura à notre droite le fameux magasin. Donc ici, vous avez les deux magasins de déco et de voiture. Mais si on continue à aller tout droit dans cette direction, normalement, il est pas loin. Il est juste là, regardez, à la droite. Donc juste en fait, derrière le magasin de déco, une toute petite boutique juste ici qui vend normalement, comme je vous le disais, de la TNT. Mais vous pourrez trouver juste ici ces fameuses citrouilles. Encore une fois, vous pourrez les prendre, les emmener sur le comptoir et en acheter pour 808$. Voilà donc tout ce qui est pour l'événement d'Halloween Lumber Tycoon 2023. Il me semble que c'est à peu près tout. Bon après, comme d'habitude, comme chaque année, nous avons les deux fameux arbres qui spawnent dans la nature quelque part et que vous pourrez trouver si vous avez la chance. Donc c'est l'arbre de Spooky et l'autre, je me rappelle plus du nom, mais sinon je vous les afficherai à l'écran. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire et abonnement. Moi je vous dis portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao ciao.